Donc aujourd'hui sur l'exploitation, on est deux associés, moi et Chantal qui est ma belle-mère. Deux salariés, une salariée sur la partie porc, un autre salarié qui s'occupe plus de la partie volaille et un autre salarié à mi-temps qui nous aide sur les cultures principalement, puis tous les petits travaux. Et enfin Loïc, mon beau-père, qui est toujours là, qui nous aide aussi tous les jours dans l'exploitation. Là, on est un peu en période de transition où, les anciens vont partir et les jeunes vont prendre la place, donc on est un peu plus nombreux en ce moment. Je ne suis pas issu du milieu agricole. J'étais avant dans le domaine de la maintenance. J'ai passé un diplôme d'ingénieur avant de me reconvertir dans le milieu agricole, il y a 3 ans maintenant. L'agronomie m'intéressait beaucoup. Mon beau-père approchait de la retraite, il n'y avait pas de repreneur derrière. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'intéressait d'être aussi son propre patron. C'est bien aussi de venir de l'extérieur, ça apporte une autre vision à l'agriculture. Et ça nous fait aussi évoluer. L'exploitation, c'est une partie porc. Une partie volaille, deux bâtiments de 1000 m² utilisés principalement en dinde. Une partie culture, aujourd'hui 180 hectares. Quand je suis arrivé, on a construit un site de méthanisation à 2 exploitations. Et aussi une éolienne qui est ici depuis 2007 et qui produit à peu près l'énergie pour 1400 foyers en ELEC. Quand je me suis installé, je ne connaissais pas forcément la partie porc. Et le porc sur paille, je trouvais que c'était une bonne alternative pour le bien-être animal. Je ne voyais pas ça autrement, en fait. Certains vont dire que c'est peut-être un peu plus de travail, mais quand on est mécanisé, organisé, ça se fait très bien. Les animaux vont faire des déjections, du fumier, du lisier. On va réutiliser nous maintenant grâce à la méthanisation. Là, on va produire du gaz. On produit 65 normomètres cubeurs, donc ça représente à peu près, 600 foyers alimentés en gaz hors chauffage. Après, une fois qu'on a produit ce gaz, il va nous rester du digesta qui va nous servir d'engrais pour nos cultures. Donc en fait, quelque part, c'est un cercle vertueux. On réutilise tout un maximum, pas de déchets. On a aussi le vent qu'on utilise, énergie gratuite grâce à l'éolienne. On va avoir bientôt des panneaux solaires, c'est en discussion et pour moi ça devient lié à l'agriculture. On diversifie en fait nos activités pour être capable de supporter les crises. Quand il y a une partie qui va moins bien, ça peut être le porc, la volaille, l'énergie est là. C'est des revenus récurrents et on a une vision sur du plus long terme. Ça assure aussi la pérennité de l'exploitation. Les résultats aujourd'hui sur l'exploitation, c'est à peu près 50-50. Une moitié qui nous vient de l'énergie et l'autre partie qui nous vient de l'élevage et des cultures. Ce qui est important pour nous, c'est de communiquer sur les choses qu'on fait. Pourquoi on le fait? On ne cherche pas à détruire l'environnement, comme on peut l'entendre. Nous, notre but, c'est de produire bien, durablement, et puis d'être un acteur sur le local. Aujourd'hui, on va même être capable de séquestrer du carbone grâce à nos cultures. Donc c'est ça de plus, c'est travailler aussi pour le collectif, pour la société. Moi j'apprends de mon beau-père, et lui je pense qu'il apprend aussi un petit peu quand même. Ensemble on avance entre générations, je trouve que c'est intéressant.